Ça doit être ici. C'est juste beau, quoi. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, on dirait un poignard de Purba. Hein? Ces lumières doivent l'activer. Ces miroirs ont l'air importants. Faut rediriger la lumière à travers la pièce. Ben oui, bien sûr. Aziz, lumière. Là, il se passe pas grand-chose. Ouais, là, forcément, il n'y a pas de rayon dessus, donc hein, il va falloir que je trouve comment monter. Un petit peu personne. Donc là, ça doit être là qu'on doit aller à la fin mettre le. Ouais. Je crois que ça a marché. Cette lame géante s'est enclenchée. Encore deux. Dis-moi, on va devoir grimper sur ce truc? Je crois que je vais devoir monter sur ce truc. Waouh, ça le fait ou pas? Faut monter pour mieux voir. Fais attention, Drake. Oui, ces journées sont bien remplies quand même. L'autre fait des bons, on sait même pas de quoi. C'est-à-dire, elle dure longtemps, pas longtemps. Tu connais l'histoire de Puff le Drake? On fait toute la force des bras. C'est être une super bonne idée d'en bas. Oh, le sixième œil. C'est cool. Alors, où sont sortis ces putrelles? Elles sont sorties là. D'accord. Petit trésor. Ah
verra dans le cinéma, mais t'as raison. Hop, hop, Il y a d'autres réflecteurs là-haut. Chloé! Réoriente le réflecteur! Je m'en occupe! Bien joué! Ok, maintenant? Attends. Ok, on y est presque. Ben oui. C'est bien connu. Mais après, parce que parfois, on est obligé de les recharger avant qu'ils soient complètement Ça déchargés marche. aussi. Mais... Je crois qu'on a ouvert un nouveau passage. Sur ta gauche, Nate. Ok. Oui, merci. Celui-là. Allez. Plus qu'une et c'est bon. Se rejoint après Thibault. Hop, merde. Encore une fois, j'ai fait me jeter en l'air. Attendez, on va chercher Thibault. Hello. Salut fiston! Hey Pat, comment vas-tu? Ah, ça va nickel. Oh putain! Oh, je vois, ça avance, t'es là où? Avec les jeux de lumière. Ça. Pas mal, pas mal. Toi, je suis au boss 200 là. Du 2? Ouais. Ok. J'ai essayé 4 fois hier. Il est assez coton. En fait, il est pas très dur, mais en expert. C'est-à-dire qu'il tue vite. Quand même. Je peux descendre comment ou quel maintenant? J'ai pas l'impression de pouvoir à tes souhaits. Et si ça passe? Ça va, c'est Ça pas passe moi. pas. Alors. C'est D'accord. bon. Et je suis descendu et ah, peut-être par là que c'est plus court. Ok, donc c'est quel rayon? Faut que je remonte là-haut. Attends. Faudrait ajuster l'autre réflecteur. Quel cerveau moi à quelque chose. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. T'es aussi en extrême sur le 2? Ouais. Ah ben, ça pique un peu plus, hein. Oh là la vache. Ah Oui, si, à des moments.
J'ai regardé dans les statistiques, je suis mort presque 200 fois. 200 fois. Ouais. Oh, j'ai dû faire plus. Je suis à pas loin de 200. Ouh, il y a des passages, ils sont cotons. Bah, tu vas voir un petit peu plus tard là, très coton. Enfin, je commence à prendre un peu le pli du jeu, mais. Ah, c'est clair qu'il faut pas y aller bourrin. Hein. Alors, le secret de Shambhala est caché dans la gorge de ce truc. C'est le boss. Je crois que pour l'instant, je suis pas mort plus de 6 fois d'affilée. Déjà ça. Il y a du mieux. Voilà. Ah, chasseur de trésors novice. Cool, un petit trophée. Ah, c'est quand on a 20, je crois. Bon, on a l'air d'avoir fait un peu le tour. Ah oui, là, c'est le truc. Ah ouais, c'est trop beau. Ah ouais, c'est vrai Pam qu'il y a des pam pam passages. pam 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 J'ai halluciné, il y a les passages et tout. C'est vraiment bien foutu quoi, avec les couleurs. C'est les couleurs qui sont vachement bien faites. Ah, il gère les lumières et tout. C'est juste Ouais, là. il C'est sait excellent. faire quoi. Tu vois la forme de ce pic? Pour ça, j'ai hâte d'être au 3, parce que Le le voilà. boostique, il m'a dit, il est encore Ça plus suffit. magnifique que le 2, ce qui est normal, mais Prête-moi il le m'a 2. dit, tu vois, c'est ouf. Ouais, mais tu vois, moi je préfère le 2 au 3. Ah ouais? Ah. Ouais. Pas, enfin, Tu pas l'as essayé, forcément toi? graphiquement, hein, mais le, je les ai déjà tous faits, moi, sur PS3 à Ah oui, c'est vrai. l'époque. C'est vrai. Alors, on l'a fait. On l'a fait. We did On it. l'a fait. Oh merde, ça tue l'ambiance. Il n'y a qu'une seule issue, t'es prêt? Allez. Chapitre 10. Combien il y a de chapitres pour le second? 26. 26. Ok. Ouais, Momo, t'en as pensé à la même chose. Ok. Watch. Ah Ils ont dû croiser Jeff et Elena. Faut revenir vers l'entrée. ouais. Eh ben on est bien là. Bon, faire le tour, Oh. c'est quoi? Putain, mais ils font mal. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens pas bien là. Putain, Je crois mais que le poste de fin il est là. Allez, viens par là, ma salope. il fait que courir en rond. Il a perdu son chapeau déjà. C'est cool. Tu leur tires des balles, ça leur enlève les chapeaux.
Ah, c'est les mecs au bouclier là. Enfin, pas les boucliers devant, mais leur armure, on va dire. Ah, dur, j'ai pas réussi, calmez-vous. Ah, c'est pas bon du tout, ça, je vais aller. Apaiser. On va finir par les avoir un par un. On fait ça sans skill, mais... Ah putain! Tu bouges tellement quand tu prends une balle, quoi. Ils sont encore deux. Non, 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 non. Ah bah voilà, baisé, et voilà. Je suis baisé. Là, je suis un peu foutu. Bien l'impression. Vas-y, il faut qu'il arrête avec son fusil. Allez, plus qu'un. Ah, j'ai plus qu'une balle aussi. Ah, plus que 4 balles. J'arrivais pas où. Oh la vache. Non, il arrive de l'autre côté, quoi. Je sais pas comment. Ça devrait être arrivé. Mais... mais il est super dur. Ah, à le toucher, c'est pas que c'est bien. Il est trop rapide. Toi, tu marches, lui, il court. Pas plus chaud. Ferme-la. Ah, là, c'est mort. Chut. Il est perdu. Hein. Wow. T'es toujours pas mort, lui. Putain. Petit réflexe, mon vieux. Mais putain. Le chat. Ah la vache. Oh là là.
Comment qu'il trace lui? Attention! Oh là là! Ah ben voilà, putain, c'est n'importe quoi. Il y a quelque chose à faire ici ou il faut se laisser tomber? Je l'avais pas vu, mais... Oh, le fail! Ah, il y en a un aussi. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais... Ah, il vient de me toucher, là. Ah, l'enfoiré. Arrête de courir aussi vite, là. Putain! Ça me gonfle. Bon, on va essayer autrement. Ah, et c'est qu'au redémarrage, j'ai un point de contrôle. 192. Ah! Ça protège vachement, quoi. Tais-toi. Il n'y a pas une autre arme à récupérer, là. Ah, l'enfoiré. Oh putain. C'est abusé. Hop. Livraison de pompe à domicile, merci. On dirait mon chat tellement il est casse-couille. Je l'ai.
C'est un petit peu trop tranquille. Oh là là. Technique du portefeuille. Non. Salut, c'est Célia. Uch. Ouh, il a l'air bien ce pistolet. Oh, il est bien ce pistolet là. Non! Ça commence à me gonfler. Calme-toi, chaton. Appuyez avec 6 sur moi, la C'est pas quasi la fin même de erreur que ta mère et moi. la partie. Aïe. On va y arriver. Ouais, il a une toile là et puis qu'est-ce que c'est cette tête là? Il est chelou lui. Ben, faut dire que quand elle vient aussi souvent elle se prend des tirs, donc bon. Faut comprendre aussi. Putain, mais c'est pas possible derrière un arbre, il arrive à t'avoir. Ça me saoule. Mais où sont-ils? Son fusil à pompe, là. Il vient ce petit flingue, j'adore. Merci, Moumoute. C'est carrément barré là-bas déjà, quoi. Oh bah, allez, ça c'est fait. Alors, faut dire que là, avec du fusil à pompe, on est un peu l'age. Même pas peur. Bon là j'ai un peu plus peur déjà. Oh non, mais c'est pas possible. Casse les couilles, il a couru 2 fois plus vite que moi, c'est pas possible ce gars. Oula. C'est chaud là pour viser. Ah et voilà. Ça lui fait rien, bien sûr. Ouais, j'ai plus de munitions. C'est pas faux. Je vais mourir. Voilà, comme un grand. Mal barré, moi. J'ai zéro munition, dont aucun flingue. Ah,
Putain, mais j'en vois nulle part. Ah, avec il plus m'en de munitions, quoi. Oh, et voilà. Ils servent à rien, les autres, quoi. Ah ouais, de temps en temps, vite fait, mais sinon, non, c'est pas ça, ça. C'est bon, j'aurais su au moins choper un flingue. Dernier force consanguin, analphabète. C'est pas gentil ce que tu dis. Il y a peut-être beaucoup de picards qui nous regardent. Heureusement que tu me couvres, quoi. Ah bah plus vite, plus vite, plus vite, elle est mignonne. C'est pas possible, putain, allez, dégage de là, bordel. Ça va aller, Jeff, tu vas t'en sortir. Reste avec moi. Oh la vache. Oh, merde. Allez, par là. Merde. Allez, allez, passe. Faut que j'ai réussi. Yes. Je crois. Vous tombez. Oh putain. Allez. Il va pas au sac. Ah putain, il est coincé derrière. Oh putain. Ah, j'ai cru que j'allais le faire un premier passage.
Allez! Putain. Vite, vite, par les escaliers. Allez! Que de grandes gueules, bye bye. C'est de l'humour. Après ça, on aura tout vu ensemble, hein. Tout est grand chez les modos, même la gueule. Merde, ça va aller, on peut sauter. On pense même pas. On n'a pas le choix. Non mais salut à toi, Mister Roux. C'est ça. Et ben comme ça on y quitte. Alors, c'est un morteau, c'est Drake. Vous l'avez transporté à bout de bras depuis le temple. Dommage. Bon, dites-moi. Vous avez ouais, c'est le meilleur. La réponse que vous cherchiez. Okay. Avec Moumout. Je sais où est la pierre, mais vous ne la trouverez pas. C'est nos deux petits vieux du Muppet Show. Laissez-la partir et je vous y emmènerai. Vous êtes la reporter qui m'a ciré pour... Vous feriez bien de prier pour qu'il ne bluffe pas. Fouillez-le! Allez. Retour à la zone de transit, préparez-vous à bouger. Toi, viens avec moi. Toi, occupe-toi d'eux. A plus, Mister. Salut, salut. Comment tu peux bosser pour ce monstre? Au mieux être son ami, chérie. Alors ça y est, tu vas tous nous descendre de sang-froid. J'irai bien, qu'est-ce que t'en dis? Debout. J'ai dit debout. Non. Oh là là. Bah oui, bien sûr, tout va bien. Ils sont vraiment très près, Meg. Attention, Elena, continue. Et merde. Putain. J'ai un peu merdé sur ce coup. Abattu en plein ciel. Qu'est-ce que tu fais? Allez! Je te tiens! Allez!
Allez, dégage. Par là. Baisse-toi. Ça va? Oui, impeccable. Et toi? Rien de dramatique. Tu vas te mettre trop fuyé, pauvre fou. A plus, mister. Alors, je pense qu'ils savent qu'elle est qu'on s'en fout, ils sont nombreux sur le stream, ils savent pas lire, second degré, mec, je parlais des Picards, après il est peut-être Picard, hein, on s'en fout, pour moi je sais bien, le reste on s'en fout. On connaissait les enjeux. Flynn a dit quelque chose à propos d'un train. Ils ont dû l'emmener vers des... C'est-à-dire qu'elle... Ben ça va et toi? Salut. Ça devait être par là, après ce château d'eau là. Nate, elle a pointé un flingue sur nous. Je sais. Elle aurait pu appuyer sur la défense. Il y a encore une heure et demie ensemble à peu près. De souffrance. Mais non, mais pour l'instant, j'avance plutôt pas mal, hein. Ben, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, hein. Je sais pas, chapitre vers 10, par là. Je vais dire une connerie encore, hein. Ce sera pas la dernière. Tu dis 10, toi? Je sais pas, attends, je vais te dire ça, là, au prochain. C'était plus, hein, les trucs des lumières, c'était plus, je crois. Hein. Ouais. J'en ai pas la moindre idée. C'est bon de savoir que certaines choses restent comme elles sont. Ok, en route. Quoi? Non, 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 tu viens pas avec moi. Nate, la ferme, ok? Il y a un train qui nous attend. Tu me donnes rien du tout. Chapitre 12, un train à prendre. Ah! Le fameux passage avec le train. Il est un peu chaud quand même. Je le sens pas, je le sens pas. Alors, il y a quelque chose? Toujours rien. Je suis désolé. Moumoun choqué. Est-ce que vous connaissez l'histoire de France pour les connards? Non, moi je connais pas. D'accord, c'était pas comme ça qu'il fallait. Hein. Elle va signaler. RS.
Ah bah, il y a un truc qui brille. C'est excellent la fin, avec leur petit humour. Bon, ben voilà. Ce fait. Ça fait quand même pas mal de voir 4 trophées d'un coup. Tu m'étonnes. Merci Moumoute d'essayer de relever le niveau. Et notamment le niveau musical du groupe. Version 1.01 de Battlefront aujourd'hui. Ah ouais? Je croyais qu'elle était s'arrêtait dimanche. Mais c'est pas le 24? C'était pas jusqu'au 24? Bah, c'était que qu du. C'était 4 jours normalement. Ah ouais? Logiquement, je crois. Hein. Oh, c'est qu'ils ont dû la laisser. En même temps, pour qu'elle se fasse à vous. Alors. Nouvelle partie. Campagne extrême. Oh, ça a dû faire mal. C'est fini. Ouais, faut qu'on atteigne ce château d'eau. On arrive à grimper. J'ai éliminé ces types tout seul. Pas mal, hein? Ouais. Enfin, y a pas de quoi se pavaner. Alors voilà, le truc qui brillait là-bas. Le petit trésor. Là. Là, il n'y a plus rien. Et c'est où déjà qu'il faut monter, qu'il faut aller? Là. Non. Merde. Zut, crotte et flûte. Par où il faut que j'aille déjà? Attends, il faut que je monte.
quelque chose ? Il y a une échelle de secours là-haut, mais je peux pas l'atteindre. Parfait, juste une minute. Save the fuck. C'est bon. Une fois là-haut, faut m'envoyer ce truc. Et voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fermé? Ah, c'est coincé! Tu sais quoi? Je crois que c'est bloqué de l'autre côté. Bon, je vais essayer de trouver une autre entrée. Et de la débloquer. Bonne idée. Je vais te débloquer l'entrée. Toutes ces années au cirque finissent par payer? Très marrant! Je sors peut-être d'un cirque, mais c'est toi la bête en cage! Cassez-vous les pigeons. C'est chaud. Hein. Alors, ça donne quoi cette porte? Là, je pensais qu'on allait pouvoir sauter vers là-bas, mais... Mais non. Alors attends. On va essayer de sauter là-bas. Non. Mais c'est quoi le délire là? Ah mais je suis bête, mais n'importe quoi. N'importe quoi la gueule, hein. Ah, je suis épaté. Oh non. Hé, on a de la visite. Merde. Ils sont là-haut, à gauche. Par là, sur la droite. À gauche, à droite, ils sont partout. Ah, c'est excellent les combats dans le 3 en fait. Combat à main nue là. Ah t'es dans le bar là.
Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, ça fait un peu comme Sleeping Dogs, dès que tu les amènes près des objets, ça fait une interaction et tout, c'est pas mal. Putain, mais je lui ai rafraîchi le contour des oreilles et je l'ai pas touché, quoi. Fini, je crois qu'il en reste plus. Oh non. Regarde derrière nous. Ah putain. Nate. Forcément, je me suis fait eu. Alors, et puis tu recommences au début. Forcément. Qu'il en reste plus. Oh non. Regarde derrière nous. Oh non. Ces mecs sont têtus. Putain. Faut que je descende vite après quoi. C'est off. Il en reste plus. Oh non. Regarde derrière nous. Ces mecs sont têtus. Ah ouais, super l'angle de la caméra quoi. Allez. Je vise mal. A plus Ratou, bon courage. En espérant que t'aies pas de déco. Je vais pas faire le chat noir quand même. Ah, pas mal pour un modèle de l'année dernière. J'attendais pour utiliser ça. Ah, il y a bien plein de trucs qui brillent. Super, on a atteint le château d'eau. Ouais, on a réussi. Bon, on reste discret. Bisous, Carré. Oh. Salut. Alors, t'as un plan B? J'ai réfléchi. Elle est là. Finn la retient. T'hésites? Non. Ok. Ils vont bientôt prendre la route.
alors il faut faire vite. Bon, je vais y aller seul. Non, Nate. Attends une seconde, écoute, écoute, écoute jamais. Entre-temps, tu vas aller là-bas. Tu vas nous dégoter un de ces... 4-4. 4-4. Mmh. Tu vas être le chauffeur. J'entre, j'attrape Chloé, et là, toi, tu débarques. Et on se fait la malle. Exactement. Ok, c'est bon. C'est clair? Bah oui. Go! Ça va aller? Ouais. Allez, attention. Parfait. On se reverra. J'adore l'odeur du train au petit matin. Ça va le faire. C'est bon. Putain, tu m'as fait peur. Je suis émotif, moi. Faut monter pour mieux voir. Allez, c'est pas mis. Il doit bien y avoir une issue. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il peut pas grimper là-haut? Ah. Je peux peut-être faire bouger ce vieux machin. J'avais pas pensé à ça. On va faire une entrée discrète. Ah oui, il y a un gros gunfight là dans le train. Hein. Quand tu te vautres. Ok. Non, je pense qu'ils t'ont pas vu, c'est bon. Vous allez me faire rater mon train. Ah oui, d'accord, t'en laisse pas ça. Putain, j'en ai chié, ici. Oh, non, pas ça.
Oh merde, je l'ai pas vu l'autre rentrer dedans. J'entends des tirs à côté. Léna, où tu te caches ? Oh, une cible ! Mais putain ! Oh là 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 là, les mecs qui viennent avec les Kogu nous fait rêver. C'est gagné. Putain, je pensais pas m'en sortir. Mais. Allez, je vais vous vendre du rêve. Alors, comment tu comptes la sortir de ce train en marche ? J'y ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. Ok. Ok, c'est bon. Une minute. Ça y est, presque. Il faut. Maintenant ! Recalque. Chloé doit être dans le premier wagon. L'infernal est resté un moment là-dessus. Ah. Attention que vous me foutez la pression là, du coup, faut que je fasse mieux que Brice, quoi. Il a failli faire un joli fail là. Attention Simon derrière toi.
Ah, j'ai déjà fait mieux. Ok. Vous êtes vraiment trop con, quoi. Et on est plutôt pas dégueu, hein, en infiltre là. Il y a juste un bout de canon qui dépasse, mais sinon. Désolé, je devais contrôler vos billets. Ah, ben bien sûr. Allez, dégage. Bon sang, c'est fermé. Je dois trouver le moyen de continuer. Ben ouais, c'est ça qui est bien dans les jeux vidéo. Oh merde. Tu vois, là il a chié dans la colle, par exemple. Il est pas là? Il était où? Laissez la tête!
va venir pour prendre votre commande. Oui, c'est une approche plus fine. Ah non, non, non. Ah merde! Ah non, si, ça, ça passe. On va attendre que le prochain pont y passe quand même. Un tank? Pourquoi ils ont besoin d'un tank? On y va tranquille. J'ai pas confiance. Il suffit que je descende pour qu'il y ait un truc, je suis sûr. Et ben on avance plutôt bien alors qu'on entame la dernière heure. Un flingue quelque part. Alors j'aime pas le bruit, j'aime pas le bruit, j'aime pas le bruit. Voilà. Il fallait que j'aille un peu plus vite. Un hélicoptère. Bon. Là ça pique. Oulala.
Oups. Oh non, j'aime pas du tout ce bruit. Oh merde, j'ai oublié que c'était un peu chronométré. Non, je viens de planter en beauté. Ah dommage poulet. Ah putain. Allez. Merde, j'ai oublié de tuer l'autre en haut. Ah. Bon, sans qu'on va le refaire un paquet de fois la scène. Faut que je descende de là. Allez. Putain. Allez. Ah. Ouais, non, non. Ah putain. Con de train. Saute à côté du tringue, il te dira rien. Ça m'est arrivé plein de fois ça. C'est trop ça. Putain, ils sont chiants avec les pubs là, à chaque fois. Allez, mais... Ouais, c'était celui-là. Ah putain. Ah. Lance-roquette. Ouais, parce que du coup, si... Non, il m'a buté, putain. Allez, mais bisous, Kalec, bisous, Carré. Salute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, putain, c'est pas bon. Comment je me suis galéré moi en fait? Ah oui, toi tu fais le tour du wagon. Ah, c'est pas bête. Mais putain! Comment ça se fait qu'il me bute là, quoi? Et t'as commencé le 2 aujourd'hui? Ouais. Oh putain, c'est vrai, t'avances bien. Ah, c'est ça le truc. Pas mal, pas mal.
Ah mais non. En fait, il faut pas essayer de le shooter, quoi. Si. Si, si, faut essayer. Ouais, mais parce que du coup, t'as la porte au fond, le truc rouge là, activé. Ouais. Et en fait, faut lui lancer une munition de roquette. Il va se dégager et là, faut que t'ailles directement vers la porte. Allez. Oh merde, j'y suis allé trop bourrin là. Oh, ça va me saouler. Oh non, à côté du truc. Putain. Tellement pressé quoi. Mais merde, qu'est-ce qu'il fait ce con ? Oh mais non ! C'est quoi le schmurt là ? J'ai bon jusqu'à ce que j'ai le lance-roquette et j'ai pas le temps d'ouvrir la porte au fond quoi. Et je saute encore à côté du train. Donc tu dis, faut que je prenne le lance-roquette, faut que je le touche. Faut pas juste que je lui fasse peur, faut que vraiment que je le touche avec. Non, ouais, faut que tu le touches, ouais. Putain. Mais je le rate à chaque fois. On va reprendre de la life un peu. Logiquement après quand tu le touches il se barre sur la gauche je crois. Dès qu'il se barre faut que tu ailles vraiment à la porte et c'est chaud. C'est ric-rac. Allez! Yes! Ah. Oh là 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 là. Putain. Yes. J'adore les tunnels. Oui, j'adore les tunnels tout sombres. Chapitre 14.
J'adore ces fusils à lunettes où t'as pas de lunettes en fait. Mais quoi? C'est quoi ce fusil à lunettes où t'as pas de lunettes? Si, faut appuyer sur R3. Ah. C'est mieux en effet. De suite. Comme il est sombre, tonne tu nais le moumoute. Il est tout sombre. Ouf, je crois que je vais sauter encore à côté du train. Là on va prendre l'usine. Merde. Putain. Oh, la mort violente, quoi. Blam. D'accord. On est morts tous les deux, bien. Il a une texture, mon gars. On a carrément zappé un passage. Merde, ils m'ont vu. Bon. Nickel. Allez-y! Oh putain, ils ont pas l'air de rigoler. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah non! J'ai plus de barre. J'ai porte-nous quoi? Porte-nous quoi? Je n'ai pas vu qu'il y a un qui allait monter là. Oh. Il n'a pas fait que monter. Ouais, allez, on enchaîne les dead là. Quelle naze. Non, ils étaient bien cachés derrière. Allez, relève-toi. Non, pas ça.
Mais il est invincible, vu ou quoi? Placer quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, on n'en parle plus. Ouais, à tout à l'heure. Mais putain, mais cache-toi! Yes. Fais bon voyage, crétin. M'attaque de ce type. Oh merde. Ça me dit pas que j'ai toute l'arbalète à replacer quoi. Non, pas bon. D'accord, j'arrête pas de creuser maintenant, j'ai fait le plus dur et puis...
doit pas être bien loin. Crois-moi, je vais t'avoir. Maintenant, j'ai plus qu'à te buter. Contre-toi. Oh non, l'autre il me tue avec un coup de poing quoi. Trollé. T'en es où là? Dans le dernier wagon où je dois buter le gars là, apparemment. Ah ouais, alors il y a une technique pour ça. Enfin moi sinon je me suis fait chier mais pendant longtemps. Ouais, je connais le galérer avant. Bah oui, bien sûr. Quand même, je suis pas salaud. Et l'autre... Je vais te donner juste un petit indice, il est très résistant aux balles. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis. Quel indice de ouf, hein. Putain, mais dès qu'il t'attrape, il te met une patate, quoi. C'est Iron Fist, ouais. C'est carrément ça. Ouais, il faut que j'ai des grenades, mais bon, j'ai pas de grenades, je sais comment. Mais du coup, j'en avais plus et je lui ai mis, je crois que c'est pas loin de 300 balles, un truc comme ça, il était pas mort. Enfin, bon, il y en a quelques-unes que j'ai loupées, on va dire, il y en a peut-être 200 qui ont été sur lui. Ouais, je me rappelle de ce passage. Il y a un après-midi, j'ai arrêté de la console justement pour ça. Ça me prenait trop la tête. Mais du coup, le lendemain, j'y ai rejoué et j'ai réussi au bout de la deuxième, troisième fois. Mais putain, mais dès qu'il me touche, dès qu'il me met une droite, je meurs. C'est fait exprès? C'est scripté? Normalement, non. Normalement, il peut t'en mettre deux, je crois, un truc comme ça. Bah, je sais pas, moi, il m'en met une et je claque, quoi. Et est-ce que t'as les QTE qui se marquent en bas à droite? Parce qu'il faut pas que t'ailles trop vite, en fait. Dès qu'il te met une patate, logiquement, tu peux esquiver. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. J'ai essayé de faire comme ça, mais ouais, il est super balèze. Le chat, il me saoule. Ah putain, en extrême, tu pètes des câbles, hein, des fois. C'est ouf, hein. Mais putain, il me met deux droites, il m'aligne. Il y a pas de QTE qui s'affiche. Alors, quand tu le tapes, en fait, quand tu vas vers lui, tu mets carré. Faut pas que tu martèles les touches. T'en mets un ou deux. Tu mets un ou deux coups de poing. Ah oui, d'accord. Et logiquement, voilà, quand il t'attaque, tu peux mettre triangle. Parce que du coup, si tu martèles les touches, en fait, y a pas le QTE qui arrive. Bon, en gros, tu le niques comme ça, en fait. Il est pas résistant aux coups de poing, mais par contre, tu lui mets 200 balles, il est pas mort. C'est un peu débile, mais bon. Là j'avais vidé tous les chargeurs de M4 là qu'il y avait dans la pièce. Moi K47 et un peu du petit flingue et j'ai dit attends c'est pas possible. Non. Je me suis trompé. Carré bordel, ouais je sais ouais. Mais ça y est, j'avais réussi à le tataner ce con. Encore une fois, il m'a donné qu'un coup. Bon. On va y arriver. Mais t'as pas mis des balles avant? Non. Et du coup, s'il touche avec des balles. Ah oh, putain, la vache. Il est plus puissant dans ton jeu qu'autre chose. C'est une version quoi?
Version brutale. Ah, c'est ça. Putain, il y a un trophée, c'est pareil, c'est finir un des trois jeux, n'importe lequel, en mode brutal sans changer la difficulté. Ils sont fous, les gens. Déjà en extrême, c'est déjà assez dur. Comme ça. Bah, du coup, Brice, il est pas chaud pour les faire en platine, en fait. Ah ouais? Bah, à chaque fois, il y a trois trophées dans chaque jeu. C'est finir tel niveau en moins de 10 minutes, en moins de 7 minutes et en moins de 5 minutes. Ouais, je pense qu'il a dit ça à Dark Souls qui pétait un câble, il n'y arrivait pas. Mais... avec des petites solutions sur internet, ça peut aller vite. En fait, pour des trucs comme ça, je vais pas me faire. C'est vrai, je trouve que toi t'as été quand même rapide à faire le passage du train. Moi j'ai mis presque une après-midi à le passer. Donc j'ai oh mais non. C'est pas possible. Mais non, mais je sais pas, j'ai plutôt bien avancé. Ouais, carrément, bah ouais, franchement, ouais. Si là t'es déjà au chapitre, je sais pas combien, 14, un truc comme ça. Ouais, 14. Par là. Bah ça va, hein, depuis ce matin. Putain, mais moi j'ai pas de QTE qui s'affiche. Alors j'ose pas appuyer sur les boutons, du coup je me fais but. Alors en fait faut que tu regardes, logiquement je crois que c'est deux ou trois droites que tu peux mettre. Tu peux en mettre deux ou trois. Et après du coup il va commencer à armer son point. Là t'arrêtes de toucher et tu mets triangle. Putain, mais je l'esquive pas, quoi. Pourquoi il esquive pas? C'est chiant, ça. Il faut attendre que le truc il s'affiche. Allez, tire-moi la grenade de dessus que j'arrive là. Oh putain, avec les grenades aussi dans ce jeu là. Ils servent trop bien viser. Ouais, moi aussi. Putain! Oh là là, ah, passer sous le train. Oh, que c'était moche. Je t'ai écrasé. C'est le jeu au millimètre, quoi. Mais quoi, j'ai appuyé sur triangle là, ça s'affiche sans déconner. Tout va bien, Navette. Alors, un coup les QTE s'affichent, un coup elles s'affichent pas. C'est comme il veut. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Bon, faut vraiment m'expliquer.
Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Fait, mais bon, des fois ça... Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que des fois ça, ça marche ou pas. Ah, c'est je me cache, je vide un chargeur dès que je peux. Dès qu'il commence à arriver vers moi, je le tape. Dès qu'il part, j'essaie de lui tirer un maximum de balles. Mais il faut que tu restes à moitié au corps à corps avec lui, sans viser, sinon ça prend trop de temps. Bah, je lui. Bah, j'essaie de leur taper, quoi, mais c'est. Mais il est chaud, moi j'ai pété un câble. Normalement, j'ai arrêté la console parce que sinon, je crois que j'allais casser la manette. Mais putain! C'est incroyable ce système de QTE là. Ouais. C'est en train de gâcher tout le truc, quoi. J'ai. Ah, il y a des passages comme ça, c'est. Mais je comprends pas, ça affiche qu'une seule fois le triangle, il me met un deuxième coup, c'est n'importe quoi. Allez, une grenade dans sa gueule. T'as quand même réussi à avoir des grenades. Oh putain. De toute façon, on va devoir arrêter, donc... En plus, ça va pas sauvegarder juste là, quoi. Si, si, ça se garde là où il y a le mec. Hein. Mais pourquoi il me met un deuxième coup alors que je l'évite le premier? Je ne comprends pas. Ah, parce que normalement, quand t'esquives, tu passes derrière lui. Attention, la voix chantante de Kogo apparaît. Oui, il faut que je passe derrière lui, je lui donne un coup, mais là, c'est lui qui me donne un coup. Hein. C'est même pas moi, quoi. T'as un jeu espagnol, c'est pas normal. Mais non, je me prends une série de patates de forain, c'est fini. Ouais, surtout si je le touche pas, quoi. Oh, il est bugué derrière la boîte. Ah non. Et on peut pas le pousser du train, ce con, là. Non, j'ai essayé. Ça marche pas. Ou alors, j'ai pas réussi. Mais... Mais putain, mais pourquoi il se met là? Oh là 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 là. C'est la guerre, hein, je te le dis. Ah bah je suis bien content d'avoir vu le passage du train, parce que putain c'est le plus galère je pense. Je pense que c'est là où ils vont le plus chier. Ah, je lui ai fait tomber son casque déjà, c'est pas mal. C'est déjà. Oh putain, les chapitre 5 du 3 là, les 4 premiers. Franchement. Oh non, mais putain, mais il me tue d'un coup après. Dès qu'il me touche, je commence à rager.
Oh non! Putain, je l'avais grave enchaîné là, c'était trop bizarre. Eh, c'est pour ça, c'est... des fois c'est chelou. Des fois tu peux l'enchaîner deux fois de suite, t'as le cutel qui se met et des fois non, il va te taper. Ah, mais c'est parce qu'on... Ouais, bon, d'accord. Peut-être ce sera demain. Non mais même pas. Il y a un bug là, je lui ai mis 12 balles dans la tête. C'est pas possible. Allez. Non, mais pas de ce côté, mais qu'il est con, putain, il se met à couvert devant lui. Non, beaucoup les points. Okay, c'est ça qui est bizarre, les balles, t'as l'impression que tu ne fais rien. Voilà.
presque quand même que c'est chaud. Tu m'as encore sauvé. Tu vas bien? Descends du train, Nate. Qu'est-ce que tu racontes? T'as une idée de ce que j'ai subi? Je t'ai jamais demandé de jouer les héros. Eh, hey, putain, un petit peu pour fêter ça. C'est vraiment pas le moment. T'as raison. Alors descends de ce train avant qu'il soit trop tard. Et je te laisse avec eux. Tu as fait ton choix. Qu'est-ce que tu espérais que je fasse? J'espérais que tu me couvrirais. C'est ce que j'ai fait. Comment t'aurais pu avec les deux autres sur le dos? Pas bonne chance avec Flynn. Les deux font la paire. Enfin, j'arrive. Ah. Non. C'est jamais quand t'arrêter, pas vrai? Quoi? Pas de petites remarques? T'as plus rien à dire? Harry, non. Non! Non, non, lâche-moi! Arrête! Laisse-le partir! Ne le laissez pas s'enfuir! Mais oui, ça ne peut que bien se passer. Chapitre 15. Il va te manquer quelque chose ici. Ce serait plus simple d'abandonner. Oh putain, on peut faire une pause. Tu veux toujours jouer les héros, pas vrai? Ta gueule, le chat. Et dégueule-toi. Ça peut pas être pire. Ça peut toujours être pire, Nathan. Depuis le début, il devrait le savoir quand même. Ferme. Mmh.
Oh. Le lance-patate, c'est bon ça. Il est vivant. Là, il y a un gars en haut. Il y a un gars là. Il a ma spot et non. Il est vivant. Les entrées, je les vois pas. Il y en a là. Fouillez toute la zone. Ah merde, il y en a un qui m'a vu. Ah merde, c'est dommage, j'étais bien parti. Bon. Dernier essai.
Et viens voir. C'est la mort. Voilà ce que c'est. J'ai une croix qui va couper. De toute façon, on va se laisser là. On se retrouve bientôt. On va se faire plein de bisous. Non mais tu vois, nous, tu dis ça juste quand je te dis que... Expert ninja, tu vois ça? La zone.